Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit haul BM. J'ai acheté quelques petites choses et du coup je vous filme cette vidéo. Je sais pas encore si j'ajouterai à une autre vidéo ou quoi, mais en tout cas pour l'instant je vous montre déjà. C'est vraiment un petit haul, il y a quelques petites choses mais voilà, je voulais vous montrer. Alors en premier j'ai acheté un peignoir comme ça, rose, il y avait gris aussi il me semble. Et je l'ai pris parce qu'il était qu'à 19,99€, franchement c'est vraiment pas cher. Et la qualité est vraiment, vraiment top, enfin elle a l'air top en tout cas. C'est du 100% coton et je sais pas si vous voyez un peu le point là comme ça. Il est vraiment, j'allais dire imperméabilisant mais non, enfin bref, vraiment en matière peignoir hein, tout simplement. Ultra moelleux, qualité premium, hyper absorbant, voilà c'est absorbant le mot que je cherchais. Mais le fait que ce soit 100% coton, franchement à 20€, j'ai pas trouvé ça cher. J'en ai un rose mais le rose ne m'a jamais plu d'ailleurs, ça fait des années que je l'ai hein, ce peignoir. Et là du coup rose pâle comme ça j'aimais beaucoup, donc écoutez, je le changerai. J'ai pris ensuite, on a pris un draus comme ça en 180-200 puisque j'en ai, mais j'en avais acheté pas mal chez Action, mais en fait ils sont tous blancs. Et le blanc, voilà, si vous mettez pas forcément de pyjama et tout, ça a tendance des fois à jaunir, enfin voilà. Du coup, voilà, je voulais un peu un beige, un truc comme ça, il n'y avait pas. Donc j'ai pris un marron, un peu marron classé comme ça, il n'est pas foncé. Et au moins ça ira très bien avec mes draps beige, etc. Même les draps que j'ai actuellement sont aussi un peu de cette couleur, beige un peu et blanc. Donc écoutez, c'est du pareil, du 100% coton. C'est pour ça que je l'ai pris parce que parfois vous avez des draps aussi chez BM, mais en polyester, donc ça m'intéresse pas. Et il était à 14,99€. Ensuite on a pris pas mal de trucs un peu japonais, etc. Comme vous savez on a été au Japon, donc voilà. Mon chéri a repris des nouilles comme ça parce qu'apparemment on n'en avait plus. Donc au poulet, ça il aime bien, des fois c'est vrai que ça dépanne. Je ne sais plus les prix. 79 au poulet et celle-ci 1,29€. Je ne sais pas ce que c'est. Je me demande si c'est pas des nouilles. Ils mettent nouilles frites, mais comme s'il n'y avait pas forcément de viande. Enfin, je sais pas. Ensuite, on a pris. Alors, ça, vraiment, je vais pas vous dire grosse arnaque, mais bon. 4,99€ le paquet, là-bas c'est, on a trouvé des 1,50€, allez au pire maximum 3€ je crois, enfin même pas. Bon écoutez, c'est écrit que ça vient vraiment du Japon, hein, c'est écrit derrière, produit du Japon et tout, voilà. Donc on a pris ceux-là, alors je n'ai pas encore goûté, mon chéri a goûté, hein, je lui ai dit m'abîme pas les paquets, je vais faire la vidéo. En fin de compte ça a l'air d'être simplement deux chocolats, hein, parce que là pour le coup il n'y a rien d'écrit en français. Ça a l'air d'être juste, juste au chocolat. Et celui-ci, ça avait l'air pas mal. Strawberry shortcake. Donc franchement, celui-là a l'air vraiment pas mal. Et je vérifie, mais ouais, c'est ça. Les deux étaient à 4,99€. Ensuite, j'ai trouvé en passant. Je ne connais pas du tout, mais alors ça avait l'air d'être trop bon. Hop. Des Saint-Michel comme ça. Galette moelleuse tigrée, mais au chocolat blanc. Oh, j'adore le chocolat blanc, hein, clairement. Ça, c'était 2,08€. Et ensuite, pareil, à 2,08€, toujours de la marque Saint-Michel, j'ai trouvé ça. Les galettes moelleuses au chocolat blanc. Alors ça, c'est un excès de sucre, hein, mais je pense que c'est trop bon. Mon chéri s'est aussi acheté une boisson, mais bon, vous savez, les boissons un peu style avec l'aloe vera là-dedans, les morceaux, moi, j'aime pas. Ensuite, toujours dans le Japon, il a pris des mochis comme ça, avec des graines de sésame. Et je crois que c'est de l'haricot rouge dedans, si je me trompe pas. Non, ça vient de Taïwan, ça. 2,99€. Et ensuite, ceux-là, alors que j'ai aussi goûté, c'est des petits mochis comme ça, fourrés dedans à la fraise. Ils sont tout petits. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, tout petits comme ça. On avait ramené aussi du Japon. Et c'est le même style, donc nous, on n'en avait même pas acheté pour nous. Ceux-là, 1,99€. Par contre, il n'y en a que 8 et ils sont vraiment tout petits, hein. Et ensuite pour terminer, je suis passée devant, j'en ai repris les gâteaux comme ça au spéculoos. Franchement moi en magasin je ne les trouve plus fourrés spéculoos à l'intérieur. C'est toujours fourré au chocolat et moi j'aime vraiment quand c'est fourré au spéculoos. J'ai essayé de faire attention que ma fille ne me les casse pas, mais bon
Elle a trouvé le sac quand même. Ça c'était 1,75€ et mon chéri avait pris aussi des Lu petit cœur au choco à 1,29€. Je pense que vous connaissez, là j'en ai même pas mangé un, j'ai pas vu la couleur mais bon. Bref, donc voilà, franchement chez BM on n'a pas grand chose, mais les trucs comme ça, ça coûte super cher hein, les friandises. Vous avez vu déjà 5€, on a déjà pour 10€ de KitKat hein. On en a eu pour 61,51€. Bon, j'avais un avoir de 20€ de la dernière fois de mes rideaux, donc au moins comme ça je l'ai pas perdu. Mais punaise, vous sortez de là 60€, je dis mais on a rien franchement, c'est abusé. Bon après j'ai quand même le peignoir et le draus qui font monter la note, mais bon. Bref, je voulais vous montrer également dans cette vidéo, j'ai reçu des produits gratuitement de la part de la marque Claire Body. Alors les produits se présentaient dans une belle pochette comme ça, vraiment que je vais garder, qui est refermable, voilà c'est bon à savoir. Je vous mets le lien des produits et du site en barre d'infos. Qu'est-ce que c'est Claire Body? En fait c'est un site de gaine. J'en ai acheté la dernière fois pour essayer comme ça et tout. Et là quand ils m'ont proposé le partenariat, j'ai clairement dit oui. Puisque ben voilà, qui après une grossesse j'allais dire, ou pas hein, d'ailleurs, pas forcément. Mais moi en tout cas, mais même avant de tomber enceinte en fait, je dis ça mais franchement, j'avais, je suis pas forcément hyper à l'aise avec mon ventre. J'ai un petit, toujours ce ventre un peu rond comme ça là que j'arrive pas à enlever. J'ai repris les abdos et tout, mais bon je suis pas non plus, j'en fais pas tous les deux jours quoi, j'ai un peu du mal des fois mais bon bref. Et ça me dérange un petit peu parfois sous certaines robes un peu moulantes. Donc j'ai reçu deux gaines de leur part. J'en ai reçu une en couleur chair et une noire. Je vous montre la couleur chair comme ça on voit beaucoup mieux je trouve. Vous avez d'autres styles hein, également. Moi j'ai eu celle-ci du coup en format on va dire un petit peu culotte. Vous avez devant des armatures comme ça, vous voyez très bien, derrière aussi, ici, pour éviter que la gaine ne roule, parce que c'est le problème souvent des gaines, j'ai toujours entendu ça. Et derrière vous avez également la forme pour les fesses un petit peu resserrées au milieu. Je ne vais pas vous montrer porter ce que ça donne parce que je ne suis pas forcément à l'aise, mais... En tout cas la gaine monte vraiment bien en haut du ventre, sous les seins comme ça. Vous êtes bah, vraiment gainée forcément, ça va de soi. Mais vraiment elle est vraiment une très bonne qualité. Vous avez les tailles, le guide des tailles etc. sur le site. Moi je l'ai pris en taille S. Et pour la noire c'est exactement la même mais du coup elle est comme ceci. Au moins ça peut aller avec tout. Je sais que moi la couleur chair c'est celle que je vais mettre le plus je pense pour l'été sous les robes etc. Si vous n'avez pas une robe noire forcément. Donc franchement ça c'est top. Vraiment couleur chair comme ça. Je vous mets ici, vous avez tout simplement le code Marine qui vous donne droit à 50% sur le site des deux produits achetés. Donc franchement ça vaut trop le coup, 50% il n'y a pas à dire. Donc elle est au prix de 39,99€. Et moi comme je vous dis j'ai pris S, donc ça correspond, ils vous mettent à 34,38€ en fait. Vous avez les retours et échanges gratuits, c'est bon à savoir. Donc voilà, je remercie énormément la marque et comme je vous ai dit, je vous mets le lien en barre d'infos et le code qui est tout simplement Marine de toute façon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.